Aujourd'hui est un jour très important pour le projet, puisque nous assistons en direct là, aux opérations de mise en œuvre des premiers éléments de charpente. Vous pouvez voir derrière moi le premier poteau qui est en train d'être mis en œuvre à l'instant avec les équipes topo qui font le nécessaire pour ajuster ce poteau. C'est une nouvelle activité qu'on entame et qui est très importante pour nous. La charpente va en fait faire l'ossature de la tour sur laquelle par après on vient installer les façades qui normalement démarreront quelque part en mai-juin. Donc on voit bien déjà maintenant la cadence des différentes activités qui vont continuer à s'enchaîner de la même façon dans les mois à venir. En ce qui concerne l'avancement global du projet, à ce jour, nous avons réalisé pour la tour, on a atteint le niveau, le 11e étage, soit 50 mètres NGM, à peu près 45 mètres au-dessus du niveau du rez-de-chaussée. En ce qui concerne les travaux du socle, tous les travaux du parking sont finalisés, à savoir les voiles périphériques, le radier, les fondations et bien évidemment l'ensemble des colonnes. Et en ce qui concerne la dalle du rez-de-chaussée, on a atteint un niveau d'avancement de 30%. Pour les travaux de la charpente métallique, on a un planning qui fixe la fin de ces travaux pour début 2022. Et en parallèle, il y aura les travaux de la façade qui doivent démarrer pour venir constituer le clos couvert. We are from Vagana Construction, subsidiary company of Eversendai Corporation, which is based in Malaysia. And we are here as a subcontractor work under B6 TGCC. We are very proud here to execute this Tour Mohammed 6 tower, which is the tallest building in this Africa region. La structure de la tour est constituée d'un noyau en béton qui est réalisé jusqu'à l'étage R+15, le reste étant en éléments métalliques. Cette charpente métallique constitue la structure qui porte les différents planchers de la tour, ainsi que des poteaux en façade qui supportent ces planchers et la future façade qui sera installée. Le noyau, quant à lui, accueille l'ensemble des ascenseurs qui vont desservir les différents étages de cette tour, ainsi que les escaliers d'évacuation qui respectent un certain nombre de réglementations liées à la sécurité incendie. J'ai eu l'immense responsabilité et le privilège de diriger le département qualité pour le projet de la tour Mohammed 6. Notre département, il est en charge d'assurer et de maintenir un niveau de qualité très élevé à la hauteur et à la grandeur du projet. Ce projet, la tour Mohammed 6, est un projet qui est très contraignant en matière de technologie et de technicité, aussi bien qu'organisationnelle. Nous avons ainsi mis en place un système de management et de maîtrise de la qualité adapté au niveau et à la grandeur de la tour. Ce système, il est fait de plusieurs niveaux qui nous permettent de maîtriser la qualité aussi bien au niveau de l'exécution qu'au niveau des études et ainsi maîtriser et minimiser les risques de non-qualité.